Feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste it. Bonjour tout le monde, il est 9h05. On est jeudi le 8, je crois, donc le 8e jour de vlog. Alors ce matin je vous ai pas du tout filmé parce que voilà, c'était compliqué de nouveau de se lever. Hier soir, je suis désolée, je vous ai pas filmé non plus le coucher, mais j'avais le caméscope au rez-de-chaussée, j'avais plus envie de descendre, donc je suis vraiment désolée. Donc là j'ai déposé Enzo à l'école. Ce que je dois faire, je dois absolument passer à la banque de mon homme déposer un chèque. Puisque ce week-end ce sont les grosses courses du mois. Et alors ce que je vais faire, c'est que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, faut que je cherche les croquettes, je vais enlever la radio, faut que je cherche les croquettes pour les chiens. Et le souci qu'il y a, c'est que là il y a beaucoup de brouillard, mais une purée de pois, on ne voit rien. Et vu que je fais beaucoup de migraines ophtalmiques, quand il y a du brouillard comme ça, ça me les provoque plus facilement. Donc vu que je ne suis pas à 10 minutes de la maison quand je cherche les croquettes, mais plutôt à 1 heure, je préfère attendre que le brouillard se lève. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant je rentre, je vais monter le vlog de hier. Je vais le mettre en ligne, comme ça ce sera fait. Je vais faire les statistiques, répondre aux commentaires, aux messages perso, aux notifications, etc. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Si le brouillard s'est levé, je vais du coup passer à la banque pour mon homme. Il faut que je passe à la poste aussi, j'ai quelque chose à envoyer. 11h10, rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà je me rhabille. Donc j'ai monté le vlog de hier, ça a pris un peu de temps parce que j'avais plus d'une demi-heure de vlog. Donc je l'ai raccourci à même pas un quart d'heure. Donc je suis plutôt contente de moi, bon il y avait beaucoup de blabla et etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi changé le générique puisqu'il était beaucoup trop long. J'ai mis une petite animation, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et là, vu l'heure, il est donc 11h10, je voulais partir sur la côte, c'est pas la peine. Puisque le temps que j'arrive, ce sera fermé. Cet après-midi, ça va être trop chaud. Enzo termine à 16h45 et pas 17h vu qu'on est jeudi. Donc c'est pas la peine, en 2h30... ça va être compliqué, je ne pense pas partir, mais dans tous les cas, si je ne pars pas, ce que je vais faire là, encore avant de manger bien sûr, c'est que je vais rajouter les petites annotations que je voulais sur certaines vidéos, et je vais peut-être tourner ma vidéo de mardi, comme ça ce sera fait, la semaine prochaine sera bouclée, mais j'ai mon article de demain à écrire, donc je vais peut-être d'abord commencer par ça avant de tourner une vidéo. Voilà, je vous laisse. Bon bah ça y est, c'est décidé, il est 11h15, je ne pars pas cet après-midi. Premièrement parce que ça aurait été trop chaud, et deuxièmement parce que je viens d'accepter une commande sur Textbroker. Donc voilà, j'ai 2 jours pour la faire, mais j'aimerais bien... Oui j'ai 2 jours pour la faire. Donc voilà, j'aimerais bien quand même en faire quelques-unes. Parce que si là ça redémarre, voilà, c'est génial. Le hic, c'est qu'on ne peut pas réserver plusieurs commandes. Et ça, franchement, c'est chiant. Alors avant de manger, j'ai finalisé le texte, enfin la commande pour Textbroker. Donc je sais pas si ça va être accepté ou pas. Et puis je me suis dit, je vais voir quand même les anciens textes que j'ai remis. S'ils sont sur le net, mais bon voilà, sans grande conviction, parce que voilà, même s'ils ont été acceptés, même si j'ai été payée pour, voilà. Et je suis sur le second site, j'ai tapé en fait le titre d'un de mes textes, et franchement ça fait, j'ai un message, ça fait bizarre. J'ai la larmichette là, limite, qui arrive quand je me dis que sur un site où il y a je ne sais combien de vues, voilà, le texte il vient de moi. Je suis mais super heureuse. Bon maintenant voilà, Textbroker, qu'est-ce que c'est? On lègue nos textes et on n'a pas le droit de revendiquer qu'ils sont à nous. Moi je sais qu'ils sont à moi, j'ai les traces, etc.
Donc voilà, je suis... je sais pas, ça me fait quelque chose. Il est 4h20, donc je vais chercher Enzo à l'école. Alors, petit récap de ce que j'ai fait cet après-midi. Donc, je suis allée à 14h à la banque, comme c'était prévu. Le seul souci, à chaque fois que je vais à la banque de mon homme, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contretemps, une fermeture exceptionnelle ou autre chose. Et là, eh bien, ils ouvraient à 14h45. Donc, j'avais passé 20 minutes à trouver une place et j'ai dû attendre une demi-heure qu'ils ouvrent pour être un quart d'heure à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, j'avais bien les nerfs, je suis rentrée. J'ai fait l'article donc pour vendredi, ça y est, c'est fait. J'ai fait également l'article pour vendredi prochain. Et mon vlog est terminé, donc je l'ai mis en ligne. Voilà, donc là j'ai pas pu faire grand chose d'autre, même pas une heure. Donc là en rentrant, goûter, devoir, je me suis prendre un goûter forcément. Donc les devoirs et puis je vais essayer encore un peu d'avancer, mais là je vais plus filmer parce que j'ai un mal de crâne qui arrive, mais quelque chose de bien. Donc voilà, en rentrant à la maison, je vais me poser, je vais me mettre en jogging parce que là j'en ai marre de mon jean. Et je vais me mettre en fait en loose, hein, comme je fais d'habitude. Et voilà, mais je vous reprends plus tard. Bon, je crois que je deviens folle. Hein. Donc comme vous avez pu voir, je viens de vous dire qu'il était 4h moins le quart. Il était bien 4h moins le quart. Et je suis partie. En pensant que mon fils sortait à 4h moins le quart. Alors qu'il sort à 5h moins le quart. Je crois que je perds la boule en fait. 6h10, alors je reviens, j'ai cherché le petit... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal bossé, que ce soit avant de l'avoir cherché et là, sur mon projet secret. Donc voilà, je suis contente, j'ai franchement bien avancé. J'avais envie de me repencher dessus. En plus, j'ai cherché plein d'infos sur internet, donc j'ai plusieurs pistes une fois que ce projet sera terminé. Donc là maintenant, vu que mon mal de tête n'est toujours pas totalement parti, que j'ai l'impression... d'être dans la semoule, je regarde des vidéos. Donc là je vais regarder la dernière de Tapa du Gloss, ensuite la surprise au lycée de Auria, il faut qu'on parle de Wartech Gaming, le tag de Ali Fantasy et la Belle et le Binoclar de Wartech Blog. Voilà. Il est 8h30, donc on a fait à manger, on a regardé aussi on a étudié quelque chose dont je vous parlerai dans la vidéo de mardi que mon homme a ramené de la déchetterie. Et je vais vous montrer ce qu'on va manger. Je ne parlerai pas à ce moment-là puisqu'il est 8h30, donc il y a le résumé du rallye du Maroc et c'est culte. Voilà, c'est pire que la messe. Donc je vous montre ce qu'on mange. Non. Coucou, donc c'est la dernière fois que je vous filme là aujourd'hui. Il est 10h moins le quart. Donc je vais aller au lit. Non, je suis déjà au lit. J'ai hâte franchement de m'endormir parce que là ça a plu, j'ai des cernes, mais un truc de fou, vous voyez peut-être pas, mais... mais bon, jusque là, enfin c'est horrible, ça fait 2 jours je me tape des cernes, ça a plu. Et là je sais pas, là ce soir là d'un coup une montée de stress et de... Je sais pas pourquoi, enfin pas de stress mais d'énervement. Donc là à l'intérieur je suis comme ça, j'aime pas ça du tout pour dormir. Donc là voilà, au dodo et ma petit rituel du soir, voilà, je vous en ai aussi déjà parlé, je vous en parle moins en ce moment. Mais il y a eu une période où je vous en parlais tout le temps, c'était la crème pour les mains au chanvre de The Body Shop. C'est pour moi la crème de nuit pour les mains parfaite. Pourquoi c'est une crème de nuit pour moi? Tout simplement parce qu'une fois que vous l'avez mise, vous ne pouvez plus rien toucher. Elle est très très riche, vraiment. Moi je sais que le matin j'ai encore les mains super hydratées. Donc je le fais vraiment au lit en dernier recours une fois que j'ai regardé vos messages et tout ça. Parce que
parce que sinon c'est pas possible pour le téléphone. Donc j'espère que cette journée vous aura plu. Pour demain, alors demain ce qui va se passer, c'est que vu que demain matin je pars sur la côte, pour vous monter ce vlog ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment faire ça, je le montrerai certainement quand je rentrerai. Donc je vous donne un conseil, si vous avez la possibilité d'avoir Snapchat, ajoutez-moi sur Snapchat, parce que c'est vraiment là que vous allez savoir si y a un souci au niveau des vidéos, si il va y avoir du retard ou si j'ai pas pu faire un montage ou des choses comme ça, en plus de plein de choses. Mais voilà, c'est sur Snap que je dis ces choses-là, donc si vous pouvez m'ajouter, ajoutez-moi, je ne refuse personne. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que là j'ai du mal à parler, j'arrive plus à réfléchir. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.